Et yo yo les gens, c'est Zimas pour une nouvelle vidéo donjon. Tout simplement le donjon de Morfort, la dernière vidéo et le dernier donjon que j'ai réalisé des donjons d'Astrub. Les cornes de Morfort, c'est clairement ce qui se vend le mieux dans les ressources de boss. Allez savoir pourquoi, c'est peut-être le donjon le moins fait et c'est compréhensible puisqu'il y a trois salles plus un boss. Là où dans les autres donjons, ça se ferme quand même beaucoup plus vite puisqu'il n'y a que deux salles plus un boss. Donc une salle de plus au total. En plus de ça, les monstres sont relativement un peu plus chiants, je trouve. En tout cas, personnellement, c'est le donjon qui m'a le plus fait galérer. Bon, au-delà du fait que, bien évidemment, c'était du Stasis 50. Voilà, là pour le coup, c'est pas du Stasis 41, c'est du Stasis 50. À dropper comme épique, on a la ceinture Fulgu qui rentre un petit peu mal dans les builds. Donc au final, pareil comme les bottes de satisfaction, c'est pas une épique qui est très recherchée. Comme je vous ai dit, l'Abracnel, clairement, c'est le donjon le plus farm à Astrub. Il n'y a pas photo à cause ou grâce à cet anneau de satisfaction. Je vous laisse avec le Zimas du passé. Passez une bonne vidéo, c'était Zimas. Tchuss! J'ai malheureusement eu un petit problème de fichier vidéo à cause de Twitch qui m'a bloqué le son de mon record, puisque j'écoute pas mal de musiques différentes en stream. Parfois, je me fais, comme on dit, DMCA, you know. Donc, mon son a été littéralement supprimé du record. Donc, j'en suis désolé, je vous mets un petit accéléré jusqu'au moment où le son recommence. Tant pis. Il va avoir un fuge le call. Vous voyez, tout ce discours sur la chance et sur la malchance pour au final dropper une influx, frère. C'est tout. Ça, c'est avoir de la chance. Oh merde. Elle est où l'influence? Elle est où? Alors le Xelor, est-ce que j'ai des trucs vite fait? En vrai les dots. Bon, ils sont sympas, mais ça dégage en fait. Tac, on s'en fout. Pourquoi j'ai des pots de larmes? Hop, ok. Alors, les plus bourses en vrai, on peut virer. Parce que j'ai. Genre, pour faire de la place, les plus bourses, c'est ok. Mais qui veut est en cours. Non. Non, non, non. On le fera juste après le giveaway. Alors. Je viens de sentir il y a 30 secondes, bro. Comment ça? Non, mais il y a eu un giveaway là, tout juste avant. Effectivement, Meni a tout remporté. Tu fais encore le concept, tu meurs, tu recommences. Non, non, ça, en vrai, ça a pas tenu. Je suis mort au bout de deux épisodes, j'ai fait bon, allez, tard plus. Petite jambe de chat fer, là.
le concept était un peu voué à l'échec. Mais en vrai, c'était, je pense que c'était une bonne idée, mais. Ah, la mort au donjon Tofu, ça m'a anéanti. Hein. Comment j'ai pu mourir au donjon Tofu, quoi? Je fais 50 retours de zéro par an, je connais le donjon par cœur. C'est quand même un comble. Hein. Imagine, tu t'appelles Zimas, tu fais 12 retours de zéro par an, tu meurs au donjon Tofu. C'est quoi ta vie, en fait? C'est quoi ta vie? On fait un peu de place, on équilibre un peu. Hop, hop. Alors. Tac, tac. Ouais, faire un giveaway, j'avoue que bon. Vite fait, hein, vite fait, on peut appeler ça un giveaway, je pense, mais bon, bof. Bon, du coup, on peut repartir. On va essayer de se focus un peu, je pense. Ouais mec, bon stream à toi mec. Hop. Oh le jeu. Yotero. Bon, on fait le dernier donjon de la tranche là, si le sort veut bien se lancer. Attendez, mais Wafu est en PLS ou c'est moi là? Bon, enfin, je sais que c'est le jeu, mais je demande parce que tu vois. Enfin, tu connais. Là on a une belle zone, c'est cool. Bon, on tape un peu trop de monde, mais bat les couilles. Faudrait que je tape un peu plus avec les nubes parce qu'ils ont pas mal de faiblesses haut quand même les mobs. Faut pas hésiter. Ah, il détacle, ok. Ok. Genre, grosse horloge dans sa mère, tu vois, tu connais. Ah, je pensais que je tuais en vrai. Un peu audacieux là-dessus. Allez, s'il te plaît, frérot!
Ah, je tue pas. Hop là. Est-ce qu'on peut dropper la puissante ceinture fulgue dans ce donjon? Enfin, sur les mobs. Ah, j'aime pas cette salle. J'aime vraiment pas cette salle. On est tout entouré là. On va se barrer par là, là. On va tuer lui et on va go comme ça. Lui va se là. Voilà. Ok, c'est que sur le boss? Très bien. Hop. Ah, il aurait pu prendre le dos, pourquoi il prend le côté ce gros chien là? Gros chien de la casse. Si je me mets là et que je fais une aile de Scara sur les nus, ça va le pousser ou pas? Est-ce qu'il faut que je me mette là? On récupère son trophée du pauvre. T'es con. Les PA sur tout le monde, c'est Gucci là. Tac. Ah, grosse pute. Trop rentable comme zone. T'es sur quel serveur? Je suis sur Aerafal. C'est marqué en bas du stream. Mais non, y'a pas. Mec, jure? Mais attends, mais personne m'a prévenu? Mais attends, mais what? Comment ça, y'a pas? Bon, on m'a rien dit, hein. Non, je te crois pas. Tout le monde. Non mais de toutes, en fait, il y a qu'un serveur en fait. Je sais pas pourquoi vous tortiez. Enfin, je sais pas pourquoi vous faites chier à tout le temps demander les serveurs, les trucs. Enfin, il y a qu'un serveur les gars. Il y en a pas 12 quoi. Ça c'est sûr que. Enfin après, il y en a qui jouent sur l'autre là, sur Bilax, mais.
Enfin, ça va, quoi, ces gens-là sont un peu bizarres. Hein. On va pas se mentir, pas vrai, ça aussi. Enfin, y a pas tant de Français que ça qui jouent sur Rubylax, tu vois ce que je veux dire, genre. Oh mes frères, c'est bon là au bout d'un moment. Pas eu le temps de faire mon combo. Pourquoi tant de haine? Mais non, il n'y a pas de haine, voyons, il n'y a pas de haine. Juste un peu d'agacement, c'est tout. Je suis vraiment trop fort. Hein. Juste envie de me pépon, quoi. Allez, go boss! On a eu 3 mimiques hein, quand même. Hein. Alors, on va attendre la régène du coup. Alors. En attendant, on va faire le tirage du truc, du code. Alors, tac. Normalement, il y a un petit message. Ensuite, slash mode. Ok. Giveaway. Ah ouais, donc désolé, là maintenant vous pouvez plus. Putain, il est chiant le bot. Ouais, attendez, juste 2 secondes. Ne mettez plus d'émotes dans le chat parce que sinon vous allez vous faire ban par le bot, ce con là. Et j'ai la flemme de le config, du coup 2 secondes. C'est juste le temps du giveaway. Alors. Ah bah nice, ouais, bah désolé, désolé. Alors, pour être éligible, il faut taper box, BOX dans le chat. Vous tapez box et vous êtes éligible au... Au comment s'appelle hein. Au tirage. Donc voilà, vous tapez box dans le chat tranquillement. N'hésitez pas à spam hein, parce que si, vu que enfin il a du mal à, il a du mal hein, donc n'hésitez pas à le mettre plusieurs fois au pire. Ah, pas trop non plus, genre c'est bon box box putain. Catchy le cancer. Je vois sur le côté qu'il a un peu de mal donc Ah non c'est bon, ça met juste un peu de temps. Non c'est bon, vous avez pas besoin de spam, pas besoin de spam. C'est bon. Attendez, on va se mettre... Et je vous reprends, j'espère que tout se passe bien, j'espère que vous passez un bon moment. Le boss, le morpheur, alors c'est clairement le boss, bon, malgré que j'étais en stage 50, c'est le boss qui m'a fait le plus morfler. Et c'est marrant puisqu'il s'appelle le morpheur, petit jeu de mots et tout, on est là, on est chaud. Privilégier les dommages hauts, il a moins de résistance haut que le reste. Sur les autres éléments, c'est à peu près équivalent.
essayer, bah, comme les autres boss, hein, voilà, de le kite. Il a que 4 PM, donc toujours pareil, toujours la même rengaine. Essayer de le pousser au maximum, d'essayer de faire un peu de retrait PM. Il tape assez fort pour le coup, donc essayez de faire attention. Pas de grandes difficultés au niveau des monstres, j'ai pas des focus particuliers à vous donner. Voilà, juste essayer de rapidement clean parce que la salle est quand même petite. Le boss, dès le tour 1, est quasiment à votre corps à corps. Donc, privilégiez voilà, des sacrilleurs, des pandawa. Le pandawa, c'est une auto-win complet sur ce donjon, sur ce boss. Donc voilà, à dropper la ceinture fulgu, qui est pas mal du tout, comme je vous l'ai dit, mais bon, qui malheureusement ne rentre pas dans tous les builds, voire dans aucun build. En fait, c'est pas une ceinture très utile, enfin, c'est pas une épique très utile. Et les cornes de Morfort qui sont un must-have en termes de ressources de boss. Dans cette tranche de niveau, il y a pas mal de kamas à se faire. Moi, j'en ai droppé beaucoup, donc ça m'a permis de me faire pas mal de kamas. Et puis voilà, je vous laisse avec le Zimas du passé pour la suite de la vidéo. Bonne fin de vidéo à tous! Ah putain! Merde, les nus! Slash unban. Voilà, c'est bon. Ah, vous êtes des cons, ah, ça spam box. Putain, j'ai envie de vous baiser. Bon, du coup, faut que vous remettiez. Enfin, non, j'ai pas envie de vous baiser, mais vous avez compris. D'où le spam box là. Non, mais ils ont spam box. J'ai supprimé le truc. Ils ont 5200. Une box de quoi? Vous tapez juste box dans le chat pour le giveaway de la box, c'est tout. Genre, il n'y a pas de... Vous allez chercher compliqué, hein. Vraiment, c'est dingue. Hein. Non, il n'y a pas le résultat. À la fin du combat. Ah, j'aurais pu repousser le sacré encore d'un. Mal joué ça. Zimas va me détester. Pourquoi? Ah ouais, j'avais pas vu. Espèce d'enculé là. Il tape fort. Hein. Ah! Ah putain! Il tape en zone avec pas mal de portée quand même. Hein. Un peu relou ça. Oh Nightbot, t'es chiant! Ouais, du coup, vous pouvez toujours pas trop spam, sinon Nightbot vous banne. Non, mais en vrai, faut que je mette un bon bot là. Celui-là, il pue sa mère, hein, c'est grave. Hein. Jamais vu un bot aussi éclaté de ma vie, genre. Oh! Oh! Oh, cette musique! Pour le cible du Yop! Tout, 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 tout. Let's go.
T'es trop chaud, Catchy. Trop fort, Catchy. Oh putain, mode de merde. Il va pouvoir taper Liop du coup. Tape fort quand même, hein. Tape très très fort ce chien. Alors, normalement il tape personne là. Ah, peut-être le sacré. Faut qu'il vienne là ou là. Il va peut-être taper le sacré en vrai. Ouais. Bon, ça va. It's ok. Je zone pour le Xelor. Ok, bon, le Bouffetou Squelette va jouer, mais on a clean la salle, donc globalement ça va. Je rappelle qu'on est en stage 50 sur ce donjon. Hein. On n'est pas en stage 41, et on le ressent, hein. C'est quand même beaucoup plus dur. Globalement. Bon, on y va en mode Tardos, j'ai vraiment la flemme là. Ok. Le gameplay est en train de se mettre en place. Hop, je vais le pousser de 2 et on va venir ensuite ici venir pousser le sacré d'une case. Normalement là il touche personne, hein. 5000 points de vie c'est quand même assez conséquent. Hop là, voilà. Bon avec les nuits on va se rapprocher tranquillement. On a vraiment pas la portée, on a la portée pour rien là donc on va juste tempo, tranquillou bilou. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ce petit foreur? Non, on peut pas faire grand chose à part poser des gisements quoi. Bon. Oza. Touk.
Je pense que c'est plus rentable overall de taper haut, même avec le Xel, genre OZEF des combos ou quoi. Y'a pas eu de retrait, mais bon, Balek. Hein. Voilà le. Je sais pas comment je sauve le Yop là en vrai. En prenant les dégâts à la place, qu'est-ce que je fais là? J'attire. Avec le fort, je viens et je. Ouais, je vais faire ça. Il perd jamais de PM ce chien là. Oh putain, c'est sérieux, je me suis trop mal placé. Oh, j'ai envie de mourir, putain. Pff. Aïe aïe aïe. Putain, mais il peut taper quoi. C'est trop dur à placer. Hein. Trop dur à placer. Hein. Il tape de. En fait, il tape de trop loin. Enfin, c'est horrible. Et là, en plus, j'ai pas d'entrée reste depuis tout à l'heure. Genre, c'est vraiment frustrant. Ah, j'ai int. Putain de merde. Ah, j'ai trop mal joué là. Sur ta vidéo de live. Comment ça? Ça insulte sur ma vidéo de live. Ah mais j'ai trop mal placé mes gisements. Attends mais tu sais que là je peux toujours pas taper là. Je peux toujours pas retrait là. Je peux toujours pas retrait res. Parce que je peux taper que d'ici. Et mon gisement est là. Celui-là bloque. Putain, j'ai envie de mourir. On va taper en mode normal. Hein. Ah bah parce que c'est le. Voilà. Parce que c'est le thème du stream. Le thème. Qu'est-ce que je raconte? Attends, je vais mettre là en vrai. Hop. Dommage infligé. Ok, il tape le lapin. Où vas-tu mon ami? Où vas-tu? Ok. Là il tape personne. Hein. Donc c'est plutôt good. Bon ça va être long, mais en vrai, tranquille. Hop, on fait des brûlures. Bon, les dégâts sont ok, mais bon, effectivement, ça va être long. Je me demande si je peux charge. Je me replace là à chaque fois. Ouais. Tac. Alors, du coup, je peux faire. Comme ça. Et Lenny pose un lapin.
Voilà, nickel. Il viendrait streameuse, j'aurais pas de viewers. Mais tu rigoles ou quoi? T'auras tous les viewers d'Ecaflipus. Ok, on va enfin pouvoir commencer à faire du vrai retrait. Quel bonheur. Oh là, le combat va tellement s'accélérer, putain. Alléluia, Seigneur. Hop. Ouais, c'est plus rentable la brûlure en fait. J'hésitais, mais en vrai, c'est plus rentable la brûlure. C'est chaud de faire un placement à chaque fois. Bon bah là je full soigne PO le sacré parce que le boss va juste aller à son cac quoi. Ah mais non mais j'ai le bébé foreur pour replacer à chaque fois, je suis con. Faut pas que je me laisse aveugler par, par le dégoût. Bah oui, à chaque fois je peux replacer avec le fort en fait. Non, c'est bon, faut juste pas que je me prenne la tête. Je peux replacer. J'aurais dû mettre un lapin, le remettre là et puis c'était bon. Là du coup il va taper. Pire, je peux pousser 2-1 avec Loza, mais. Non, en vrai, ça sert à rien, on va garder le setup comme il est, c'est très bien. Hop. Merde, mais je suis con! Oh, c'est grave, mon QI! Putain, j'ai pas d'IPA, Zimas, réveille-toi! Bah là, le sacré est mort, je pense. Hein. Ah, sans sacré, c'est un peu plus dur. Hein. Ça va être un peu plus chaud. Mais bon, le combat est bientôt fini, 1600 points de vie. Ouais, il a 40, 49% de dégâts, là, ça va être compliqué. Bah, clairement, tu fais le sacré. Ah non, il tape le yop! Ok, cool! Parfait. Bah, écoute, parfait. Clairement les PA sur le Xel, c'est lui qui tape quasiment le plus fort. Hop. J'aurais pu faire ça depuis le début. Très très con. Très 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 con de ma part. On va même reculer là pour ce tour-ci. Hop. Tac. Rip. Mais non, mais pas rip du tout là, là c'est win. Regarde, là, ce tour-ci, je le tue. Je
Je me permets de full rocks avec les nus. Il se met en plein milieu. Comme s'il attendait que je lui mette des grosses bites dans le cul là. Hop. J'ai pas. Ouais. Touk. Ah, j'ai pas la portée par contre. Et voilà. Stasis 50. Pas drop. Mais voilà, les donjons d'Astrup sont terminés, les amis. Ah, oh, quel bonheur. On en a fini avec Astrub. Donc, bah, très content. Et la team est niveau combien? 93. Putain. Dites-vous que... On n'a pas fait tous les donjons en 6.50. On les a fait minimum en 6.41. Et on a fait juste les donjons d'Astrub. Et on est niveau 93-90 sur tous les persos. C'est colossal. Et les camps de Morfort, on en a eu 5 par perso, donc là, bah, c'est full tunas. Alors, faut que je fasse un peu de place pour les cornes.